Alors en fait j'ai des chaussons. C'est trop énorme. Salut à tous, c'est Tom et aujourd'hui on va jouer à un jeu qui est totalement what the fuck, qui est sorti de sous terre comme ça d'un coup. En fait il s'agit de Cuisine Royale qui va sortir le 18 juin 2018 sur Steam totalement gratuitement. A la base ce jeu s'appelle Unlisted en fait, et le 1er avril dernier les gars de chez Gaijin Entertainment, c'est l'éditeur, ils ont fait une sorte de petite blague, ils ont dit voilà, on va sortir une sorte de mode battle royale de ce jeu. Et en fait c'est pas vraiment une blague parce qu'ils l'ont vraiment sorti. On peut déjà y jouer via le site de leur éditeur. En fait vous pouvez télécharger le launcher, télécharger le jeu, etc. Et en fait c'est un mode battle royale, un jeu battle royale qui est vraiment sympa. En fait vous allez voir, c'est peut-être surpris car de mon avis personnel je trouve qu'il est bien plus mieux optimisé que PUBG. Et vraiment il est très très fun. Donc bien sûr c'est sur le thème de la seconde guerre mondiale, parce que le jeu sera sur la seconde guerre mondiale, Unlisted hein, bien sûr, qui sortira prochainement, je sais pas trop encore. Il va y avoir les accès alpha qui vont sortir, mais ça on en fera une autre vidéo sur ce jeu là, pas de souci. Donc avant de lancer la vidéo gameplay, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo et de vous abonner, ça fait toujours plaisir, merci pour le soutien. Et on se retrouve tout de suite pour une vidéo gameplay de ce superbe jeu Al Dente. Hey, donc on se retrouve pour la vidéo gameplay de ce fameux Cuisine Royale. Donc vous pouvez voir un peu le wallpaper du menu. Ça c'est le menu actuellement, hein. Donc faut pas oublier que le jeu est en bêta. En fait il y a encore beaucoup de bugs, mais c'est vraiment jouissif. J'ai fait qu'une ou deux parties sur ce jeu pour l'instant, mais vraiment j'ai vraiment hâte d'y jouer. Faut pas oublier qu'à la base ce jeu est une blague, c'était un poisson d'avril, mais en fait qui a pris vraiment forme. Et c'est ça qui est vraiment super, parce que les mecs ils ont fait un jeu qui est super optimisé et plutôt joli, tout ça, et avec de l'humour total, parce que le caleçon avec les cerises, c'est énorme, faut le dire ce qui est. Et du coup voilà, donc franchement ce jeu mérite vraiment d'être beaucoup plus connu, parce que ça a l'air, voilà. Donc ça y est, il a enfin trouvé des joueurs. Ça y est, donc là on est dans la partie, vous pouvez voir que je suis dans quel but. Et voilà la zone, j'ai pas encore vraiment bien regardé, donc j'ai blind, on peut... Voilà le menu un peu, je vais pas vite fait, je vais vite vous montrer. Le blind key, donc on peut changer ses touches déjà. On manque changer les graphiques, etc. Un jeu what the fuck, hein, clairement, c'est n'importe quoi. Donc en fait là c'est une sorte, regardez. Je suis un... Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas s'il y a la... Regardez voir. Je suis magnifique. Un extincteur, non c'est une bouteille d'oxygène, un sac de course, une casserole dans le dos, enfin ce jeu est une parodie totale en fait. Mais le truc c'est que ce qui me surprend c'est qu'il est vachement vachement plus optimisé que les jeux actuels. Donc je rappelle que dans les conditions que ça se passe durant la seconde guerre mondiale, hein, donc voilà, vous voyez j'ai un comment ça s'appelle cette arme là déjà, M1903, je sais pas, je connais pas vraiment, mais c'est énorme. Donc en fait on est encore 20 en vie, donc c'est vraiment une, pour l'instant c'est une petite zone, hein, et vous allez voir qu'en fait dans les bâtiments il y a des tranchées, etc, des bunkers, et on peut utiliser les armes, les MG42, tout ça en fait pour déneutraliser les joueurs. Donc c'est assez arcade, vous allez voir, il faut tirer plusieurs balles pour tuer un joueur. J'en ai tué un tout à l'heure, un ou deux, avec des armes. Et les bruitages sont très bons. Ouais, j'en ai eu un, j'en ai eu un. Mais j'ai pas de balles, je crois, sur l'autre. Regardez voir. Vous voyez un peu là. Bon là, ça bug, hein. C'est une bêta alpha, je sais pas trop. C'est plutôt une bêta. Ce qui est marqué sur le net, mais c'est pas mal. J'ai fait un kilo cut, quoi. Mais non, mais je l'ai pas respecté. Alors en fait, j'ai des chaussons. C'est trop énorme. Sorry. Ah mais ça a son genre, ça a son genre, c'est vraiment énorme. Marrant, très très marrant. Mais là je savais pas, c'est l'histoire des chaussons et tout. Alors apparemment on peut conduire des véhicules. Oui. Mais non, c'est énorme. On peut conduire des véhicules. Allez, on va tuer des bots, on va tuer des gens. Allons-y les gars. Ah putain. Oh je vais me faire défoncer, attends, allez, ça fait du bruit ça mon pote. Qu'est-ce qu'on est?
Ah, olé, mon véhicule, voilà. Oh putain, il s'est arrêté. Oh le con, il va me tirer. Ah putain, ah il a freiné mon. Eh, viens là, toi. Oh, bas de couteau. Je suis plus skillé que toi, couteau. Ah, c'est reparti. Il marche pas droit, mon gars, tcho, là. Allez, graphiquement, les gars, il est quand même pas mal. Hein. Mais j'aimerais bien vous montrer un peu de PVP avec le pistolet, là. Ça, c'est marrant, ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la stamina. Alors, du coup, on peut s'essouffler et tout ça, c'est sympa. Par contre, niveau armes, les mecs, ils ont pas... Ben bon, après, c'est pas mal. C'est un style de jeu, il faut aimer. Mais graphiquement, il est pas mal. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Bon, après, ils se sont basés sur un jeu qui était en cours à la base. Hein. Donc, je répète qu'à la base, ce jeu est un poisson d'avril. Du coup, voilà, quoi. Ah, ça se défrit. En cas, les bruits sont magnifiques. Hein. Approcher des tirs pour voir un peu si je peux pas en mettre une. Ah, alors parti pour une troisième, et peut-être que je vais pouvoir vous montrer un peu de gameplay. Ah, j'en entends un dans la maison là. Wouhouhouhouhou! Wouh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 
Je me suis fait tuer par un campeur dans la partie d'avant, donc j'ai vraiment pas de chance. Ah, alors là, ils veulent pas que je fasse une belle vidéo, hein. Restons concentrés, messieurs dames. Waouh! Mais c'est quoi cette batteuse qu'il a lui? Wesh! Wesh, il avait des trucs de ouf! Waouh! Oh papa! Ça va faire trop mal! De la nage, ça c'était de la nage. Ça c'était très rapide. J'ai du sang de l'ormanoudou dans le corps et je me suis senti bien prêt pour cette compétition de natation qui a duré moins de 1 seconde. Oui, les mecs doivent être allongés. À mon avis, les mecs sont tous allongés dans le maïs là en face et du coup, ils doivent attendre de jouer avec la zone. Ils font un peu comme moi, sauf que moi je suis pas allongé. Et j'ai pas tardé à mon avis parce que. Et le truc, c'est l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une x4. Alors, je sais pas si c'est un viseur rare ou pas, mais vu que le jeu est un peu what the fuck et c'est une parodie de PUBG qui est très bien faite, je sais pas si tout le monde a une x4. Mais bon, c'est la 5e partie que je fais. Là, au total, ça doit être la 8e. Ah, j'en vois un là. Est-ce que je joue au gourmand ou... J'en ai vu un. Hein. En plus, j'ai des casseroles de partout, alors du coup, je fais du bruit. Quoi que je refasse, parce que bon. Ah ! Voilà, je me suis fait one shot. Top 7, c'est pas trop mal. Donc, c'était 5 parties sur ce Cuisine Royale, un jeu qui parodie totalement Battleground et qui est parfaitement parodique, car pour moi, en allant un peu dans l'extrême, je trouve qu'il est carrément mieux optimisé que ce jeu. Donc, il sortira le 18 juin 2018 sur Steam, totalement gratuitement en fait. Et donc, je vous invite à m'ajouter sur Steam si vous voulez, et je vais vous le mettre dans la description. On pourra peut-être faire des parties ensemble, et de toute façon, je vais faire d'autres vidéos, parce que là, j'ai pas eu le temps de tout vous montrer un peu dans le jeu. Puis, j'ai pas fait beaucoup de kills, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et surtout, le plus important pour moi, je trouve actuellement, ce serait d'un petit abonnement. Un petit abonnement, pour moi, c'est un grand soutien. Voilà, chacun sa stratégie, pour moi, c'est ça, c'est un grand soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bandai! Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, liker et partager à tout ton entourage. Je te remercie, à très bientôt, ciao!